Oui, l'époque historique des Mayas, vers le 8e siècle, quand on a écrit la prophétie, 8e siècle. Mais bien entendu, les Mayas, ils avaient des prophéties qui concevaient le temps à l'arrière. Les Mayas, ils sont une pierre, une stèle, ça s'appelle une stèle, dans laquelle il y a un chiffre qui équivaut à l'arrière à 4 fois l'histoire de l'univers. Wow. Oui, il y a l'histoire de l'univers, on peut la synthétiser en 13, le début, le Big Bang, selon les dernières recherches des astrophysiciens, que l'univers il a commencé il y a 13 750 000 années du temps. Et donc, pour faire ce chiffre, 13 750 000, il faut mettre 11 numéros. 11 numéros. 11 numéros. Oui. Et les Mayas, ils sont un chiffre qui a 42 numéros. Donc, ils sont une date dans le passé qui équivaut à 4 fois l'histoire de l'univers. Oh. C'est pour ça qu'on ne peut pas penser que les Mayas, ils ont écrit une date pour la fin du monde. Non, la fin du monde est arrivée parce que la peur, c'est un bon business. C'est un bon business. Donc, on n'a pas à s'inquiéter pour le 21 décembre 2011. Non, il ne faut pas s'inquiéter. On va continuer à payer nos hypothèques, sans doute.